missionnaire au Nigeria. Brother gave me a personal exhortation. Le frère Zach m'avait donné une exhortation personnelle. He told me. Il m'avait dit. Th. I am not afraid of what you will do in Nigeria. Je n'ai pas peur de ce que tu vas faire au Nigeria. I'm afraid of what Nigeria will do to you. J'ai peur de ce que le Nigeria va te faire. He told me. Il m'a dit. There is a spirit in Nigeria. Il y a un esprit au Nigeria. That says. Qui dit. To every servant of God. À chaque serviteur de Dieu. Conforme. Be like everybody. Sois comme tout le monde. Toe the line. Sois comme tout le monde. Sois comme tout le monde. Just toe the line. Sois juste comme tout le monde. And he told me. Et m'a dit. Go to Nigeria. Va au Nigeria. If you preach the truth. Si tu prêches la vérité. And nobody follows you. Et personne ne te suit. But you are faithful to Jesus. Mais tu es fidèle à Jésus. If they reject you, si te rejette, put you in a play, et te met dans l'avion, and send you back here, et te renvoie ici, because they cannot stand the truth, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la vérité. Even if you don't succeed, même si tu ne réussis pas, you will be my hero. Tu seras mon héros. But the truth will triumph. Mais la vérité va triompher. He told, il m'a dit, don't burn anything. Ne te compromets rien. Truth must triumph. La vérité doit triompher. When everything that appears to succeed has tried, truth will stand. Quand tout ce qui a l'air de réussir aura échoué, la vérité va tenir. Don't bend the truth. Ne compromets pas la vérité. La vérité va triompher. So you see, vous voyez, in our brother that morning, dans le témoignage de notre frère, the church l'église pouvait avoir le terrain. The brother did not have peace. Mais le frère n'avait pas la paix. He was still searching for truth. Il continuait à chercher la vérité. We must. Preaching the truth. Nous devons retourner à prêcher la vérité. À prêcher repentance. Et à prêcher la repentance. All that is built on a lie will collapse. Tout ce qui est bâti sur un mensonge va s'écrouler. It's a matter of time. C'est une question de temps. Every marriage that is founded upon a lie will fail. Tout mariage qui est fondé sur un mensonge va échouer. Every church, toute église, that started with a lie, qui a commencé par un mensonge, will collapse. Va s'écrouler. Whatever is rooted on a lie will fail. Tout ce qui est enraciné dans un mensonge va échouer. However you package it, quelle que soit la manière dont tu l'emballes, the packaging will fail. L'emballage va échouer. Prophet Ezekiel says. Le prophète Ezekiel dit. These people build up a lie. Ces gens ont bâti un mensonge. And the priests have taught it with deception. Et les sacrificateurs l'ont adopté avec la séduction. Et les sacrificateurs l'ont peint avec la séduction. But the wall will collapse. Mais le mur va s'écrouler. That's what the prophet Ezekiel says. C'est ce que le prophète Ezekiel dit. Whatever is not rooted on truth,
Tout ce qui n'est pas enraciné sur la vérité will collapse. Va s'écrouler. Any success tout succès that is not rooted on truth qui n'est pas enraciné sur la vérité will fail. Va échouer. All reputation toute réputation that is not founded on truth qui n'est pas fondée sur la vérité will collapse. Va s'écrouler. Every ministry tout ministère that questions the truth qui rejette la vérité will fail. Va échouer. Let's take a vow. Faisons un vœu. That we shall hold on to the truth. Que nous allons nous attacher à la vérité. Even if we have to fail. Même s'il nous faut échouer. The devil offered Jesus. Le diable avait offert à Jésus. Success. Le succès. With secret compromise. Avec une compromission secrète. And secret. Avec une compromission secrète. The devil told Jesus. Le diable avait dit à Jésus. I can give you a world ministry. Je peux te donner un ministère mondial. You can achieve your goal. Tu peux accomplir ton but. I can hand over to you nations. Je peux te confier les nations. Je vais. I can make you successful. Je peux te faire réussir. But. Mais. Arrange with me. Entends-toi avec moi. Bow the knee to me. Fléchis le genou devant moi. Acknowledge me. Reconnais-moi. And Jesus told the devil. Et Jésus avait dit au diable. See you at the cross. On se voit à la croix. Alléluia. Amen. On se voit à la croix. The Lord Jesus decided to have those success which God does not give. Le Seigneur Jésus avait décidé de n'avoir aucun succès qui n'est pas donné par Dieu. Because there are many success, there is much success that is not given by God. Parce qu'il y a beaucoup de succès qui n'est pas donné par Dieu. The Bible says. La Bible dit. That the Pharisees had an international ministry without God. Que les Pharisiens avaient un ministère international sans Dieu. You cross oceans and seas to make converts. Vous parcourez les océans et les mers pour faire des prosélytes. And when you have made them, et après les avoir fait, you make them twice worse than you. Vous les rendez deux fois pire que vous. Children of hell and destruction. Les enfants de l'enfer et de la destruction. The Pharisees had an international ministry. Les pharisiens avaient un ministère international. They made converts and proselytes. Ils faisaient des convertis et des prosélytes. And qualify them for hell. Il est qualifié pour aller en enfer. Success. Le succès. Without God. Sans Dieu. Jesus refused it. Jésus l'avait refusé. The truth will last. La vérité va perdurer. What is planted on truth will not be shaken. Ce qui est planté dans la vérité ne sera pas. What is planted on truth will not be shaken. Ce qui est enraciné dans la vérité ne sera pas secoué. Ébranlé. Ne sera pas ébranlé. I want five people to come and we should learn a very great lesson from our brother's testimony. J'aimerais que cinq personnes viennent prier. Nous devons apprendre une grande leçon à partir du témoignage de notre frère.
it is very easy to depart from where we started. C'est très facile de s'écarter de là où nous avons commencé. Let's pray that 10 years from today, people will still find repentance and truth in our ministry. That those who are seeking for God will still find in us those who will give them truth. Prions que dans 10 ans, que les gens qui cherchent la vérité puissent toujours trouver en nous la vérité, la repentance et la vérité. And 10 people come and pray. 10 personnes peuvent-elles venir prier? That what is making us happy today will not lose it. Que ce qui nous réjouit aujourd'hui, que nous ne le perdions pas. Seigneur, nous l'avons vu. Comment un pécheur perdu parcourait la ville de Gagnon en cherchant la repentance. Il a trouvé que quand il a rencontré le frère Jésus, qui prêchait la repentance. Nous prions que tu nous bénisses avec une capacité divine de protéger ce message en nous-mêmes et de faire en sorte que dans 10 ans, quand quelqu'un est prêt à rechercher la repentance, ce message de repentance qui le trouve au milieu de nous, qui le trouve dans la même pertinence, la même authenticité qu'aujourd'hui, la même vision et la même révélation, la même vie avec les mêmes contraintes, avec la même entièse. Seigneur, fais-nous nous t'en supplier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, s'il te plaît, nous plaidons que tout ce qui nous réjouit aujourd'hui, les vérités, Seigneur, dans lesquelles nous avons été accouchés, enfantés, dans lesquelles nous avons été enracinés, Seigneur, ne se perdent point. Nous plaidons, notre Père, notre Dieu, que ton assistance pour nous soit de manière évidente, afin que nous dépérions, Seigneur, dans ce que nous avions appris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons infiniment merci. Merci beaucoup pour toutes ces richesses que tu nous as données, Seigneur. Seigneur, nous prions ce jour que tu nous donnes de garder et de nous donner clair jusqu'à 10 ans, Seigneur, même plus de 10 ans, que nous soyons toujours, Seigneur, accrochés à toi, que rien vienne de nous arracher la vérité, afin que toutes les générations futures, Seigneur, viennent après les enseigner. Au travers de ce que nous avons refusé de toi. Fais le s'il te plaît pour toute l'Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. I would like us to do a small Bible study. J'aimerais que nous fassions une petite étude biblique. Then we'll come back to our thing. Après, nous allons retourner à notre thème. Go to the book of 2 John. Allez dans le livre de 2 Jean. The second epistle of John. Deuxième épître de Jean. Underline the word truth and underline the word love. Soulignez le mot vérité et soulignez le mot vérité et soulignez le mot amour. Yes. Non, très bien. On a fait une liaison. At the end, you will tell us how many times the word truth occurs. And how many times the word love occurs? Et à la fin, vous allez nous dire combien de fois il y a le mot vérité apparaît et combien de fois le mot amour apparaît. Deux ans. L'ancien a dit à Lehu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime. Kyria, ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est la dénommée, c'est un nom romantique de l'Église. Kyria veut dire celle qui est aimée.
Donc Kyria, ce n'est pas le nom d'une certaine femme. Oui, c'est une façon romantique de s'adresser à Kyria, de dire à l'église bien-aimée, à dame de Dieu. D'accord? Ce n'est pas. Il n'y avait pas une femme qui s'appelait Kyria. Ok. L'ancien a dit à l'élu et à ses enfants que j'aime la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, tu ne confesses point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dit pas « salut ». Car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique juste beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur Lélu te saluent. Amen. Combien de vérités? 5. Combien d'amour? 5. In this very short episode, dans cette très courte épître, l'apôtre Jean is telling every local church est en train de dire à chaque église locale that there are two cardinal pillars qu'il y a deux piliers cardinaux that a church must hang on to, sur lesquels une église doit s'accrocher. Truth, la vérité, towards God, vers Dieu, vis-à-vis de Dieu. And love, et l'amour vis-à-vis des frères. Truth, la vérité, love, l'amour. Any local assembly that hangs on to truth, toute église locale qui s'accroche à la vérité, and that hangs on to love, et qui s'accroche à l'amour, will remain on the rails,
va demeurer sur les rails. And will not go astray. Et ne va pas s'égaler. If truth is wounded, si la vérité est blessée, the church dies. L'église meurt. If love is wounded, si l'amour est blessé, the church dies. L'église meurt. Keep truth. Gardez la vérité. Keep love. Gardez l'amour. Keep truth. Gardez la vérité. And keep love. Et gardez l'amour. Those are the health vitals of every local church. Ça, ce sont les éléments vitaux de chaque église locale. Ça, ce sont les signes vitaux de chaque église locale. Truth. La vérité. Love. L'amour. Let's make sure we don't lose those two. Rassurons-nous de ne pas perdre ces deux. Whatever is not built on truth will collapse. Tout ce qui n'est pas bâti sur la vérité va s'écrouler. Time destroys every lie. Le temps détruit tout mensonge. Le temps expose tout mensonge. Time is an enemy to what is not true. Le temps est un ennemi à ce qui n'est pas, de ce qui n'est pas vrai. Every false commitment. Tout faux engagement. Time will tell. Le temps va le dire. Every false zeal. Tout faux zèle. Time will tell. Le temps va le dire. Every false call. Tout faux appel. Time will tell. Le temps va le dire. Make sure that it is true from the word of God. Rassure-toi que dès le début, c'est vrai. Then time will have nothing to expose. Alors le temps n'aura rien à exposer. That's an important lesson for every church. Ça c'est une leçon importante pour chaque église. Let's come back to our lesson. Retournons à notre leçon. We are builders for God. Nous sommes des constructeurs pour Dieu. We are co-workers with Christ. Nous sommes des co-ouvriers avec Christ. We must build the church. Nous devons bâtir l'église. So we must know the church. Donc nous devons connaître l'église. The Bible introduces the church in many ways. La Bible introduit l'église de plusieurs manières. And we must know the church. Et nous faut connaître l'église. So that we know what we are building. Afin que nous connaissions ce que nous sommes en train de bâtir. And so that we may know even the diseases that are possible in that which we are doing. Et afin que nous puissions connaître les maladies qui sont possibles dans ce que nous sommes en train de faire. In Colossians chapter 3, verse 17. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Brother, come and read for us. No, chapter 2, verse 17. Plutôt le chapitre 2, verset 17. Start from verse 16 so that it will make sense. Commence au verset 16 pour avoir tout le sens. Colossiens, chapitre 2, verset 16 à 17. Que personne d'autre ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ordre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le quoi? Le corps. Le corps. Le corps. Le corps. C-O-R-P. Thank you.
Faites la version. J'appelle français courant une version bien diluée pour qu'on puisse voir. Le verset 17. Colossiens 2, verset 17. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir. Mais la réalité, c'est le Christ. Amen. C'est le Christ. Mais la réalité, c'est le Christ. Est-ce que tu as lu ça? Ces rites n'étaient que des figures passagères, ombres de choses à venir. La réalité est en Christ. Amen. Voilà, ce que je voulais faire ressortir. Shadows, l'ombre, and reality. Et la réalité. Shadows, l'ombre. Reality. La réalité. Figures. Les figures. And reality. Et la réalité. In the Bible. Dans la Bible. In the Old Testament, Jesus showed the disciples every passage that was written about him. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ avait montré à ses disciples tout ce qui le concernait. He talked to them about how every book of the Old Testament. About him. Il leur a parlé de comment chaque livre dans l'Ancien Testament parle de lui. So they could see Christ in every book. Donc ils pouvaient voir Christ dans chaque livre. And wherever you can see Christ, et partout on peut voir Christ, you will see the church. Tu vas voir l'Église. On va voir l'Église. The Lord Jesus is the second Adam. Le Seigneur Jésus est le deuxième Adam. The shadow was the first Adam. L'ombre était le premier Adam. So the church. Donc l'église. Was shadowed by Eve. Avec ombre Eve. Figure. Était la figure. Non, était figurée par Eve. Avec comme figure. L'église avait comme figure Eve. The first Adam, le premier Adam, and his helper, et son aide. I want to puncture. The brother are looking at me; they don't believe it. Les frères me regardent, mais ils ne croient pas. Eve was taken by piercing the side of Adam. Eve avait été formée en perçant le côté d'Adam. La côte bien. La côte d'Adam. And was made of Adam's bone. Et avait été faite des os d'Adam. De l'os d'Adam. The side was broken. Sa côte fut brisée. When the second Adam came. Quand le deuxième Adam est venu. On the cross. Sur la croix. The Bible says. La Bible dit. This is the one that came by water and by blood. Voici celui qui est venu par le sang et l'eau. The church. L'église. Was made. A été faite. By piercing the side of the second Adam. En transperçant le côté. En perçant le côté du deuxième Adam. The water flowed. Mais ce qui a coulé. Was not bone. Ce n'était pas l'os. It's not material. Ce n'est pas matériel. It's spiritual. C'est spirituel. Blood. Le sang. Et l'eau. It is with that broken side of the second Adam. C'est avec ce côté percé du deuxième Adam. And what came out? Et ce qui en est sorti. That you and I. Que toi et moi.
By the blood. Par le sang. And by his word. Et par sa parole. We have been made into a bride. Nous avons été rendus en une épouse. Jesus died. Jésus est mort. From his side. De son côté. De sa côte. A bride was made. Une épouse fut faite. Not tangible like Eve. Pas tangible comme Eve. But spiritual. Mais spirituel. With different materials. Avec des matériaux différents. Adam slept. Adam s'était endormi. It was a prefiguration that Christ would die. C'était une préfiguration de ce que Christ allait mourir. And it will always be like that. Ce sera toujours comme ça. Typology. La typologie. Reality. La réalité. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Always. Toujours comme ça. There were figures about Christ in the Old Testament. Il y avait des figures au sujet de Christ dans l'Ancien Testament. And there was reality of the Christ in the New Testament. Et il y avait la réalité du Christ dans le Nouveau Testament. And wherever you see Christ in the Old Testament. Et partout on voit Christ dans l'Ancien Testament. And let me talk about Sister Mary. Permettez-moi de parler de la Sœur Marie. In the Old Testament. Dans l'Ancien Testament. The Lord. That every prophet manifested something of Christ. Chaque prophète manifestait quelque chose de Christ. Hosea, Osée, was the bridegroom, the bridegroom prophet. Et c'était le prophète époux. The bridegroom prophet, le prophète époux, his wife, son épouse, was a harlot. Était une prostituée. What was her name? Quel était son nom? Gomer. 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 For every Hosea, Osé, there is a Goma, y a un Gomer, a worldly church, une église mondaine, that Jesus still loves. That Jesus still loves. Que Jésus continue à aimer. And that Jesus runs after. Et après laquelle Jésus court. So what? When God saves people like Mary, donc quand Dieu sauve des gens comme Marie, He is still demonstrating a covenant love. Il est toujours en train de démontrer un amour, une alliance d'amour. A covenant love. Un amour d'alliance. Wherever you find Christ in the Old Testament, partout où on voit Christ dans l'Ancien Testament, you will find the church. On va trouver l'église. Where there is Abraham, là où il y a Abraham, Abraham, là où il y a Abraham, there will be Sarai. Il y aura Sarai. There are 150 something women and wives listed in the Old Testament. Il y a 150 femmes. 150 femmes. Il y a 150, il y a environ 150 femmes et épouses. Okay. Il y a 150 de femmes et épouses mentionnées dans l'Ancien Testament. Each one of them, chacune d'entre elles, describes a certain condition of the church in flux. Chacune d'elles décrit un certain état de l'Église en flux. En état de changer. When the church backslides, quand l'église rétrograde, and becomes wicked, et devient méchante, a denomination, une dénomination, Jezebel church, l'église Jezabel. Jezebel is a kind of church. Jezabel, c'est un genre d'église. The church that worships idols. Une église qui adore les idoles. That does not belong to God. Qui n'appartient pas à Dieu. But that has come into God's kingdom. Mais qui est venu dans le royaume de Dieu. To destroy it. Pour le détruire. Shadow. L'ombre. Reality.
la réalité. Image, l'image, fulfillment, l'accomplissement. What understood? Qui a compris? The Bible says. La Bible dit. Whatever plant my heavenly Father has not planted. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste. Will be uprooted. Sera déracinée. In Isaiah 5. Dans Isaïe 5. The Bible calls the Israel the planting of the Lord. La Bible appelle l'Israël. La Bible appelle ce que Dieu a planté. La Bible appelle Israël planté par Dieu. La Bible appelle Israël ce que Dieu a planté. La Bible appelle Israël ce que Dieu a planté. In 1 Corinthians 3, verse 9. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. The Bible calls the church what God has planted. La Bible appelle l'église ce que Dieu a planté. Every plant, every farm in the Old Testament. Tout champ dans l'Ancien Testament. Every vineyard. Tout vignoble. Toute vigne. In the Old Testament. Dans l'Ancien Testament. Was a prefiguration of the church. Était une préfiguration de l'Église. Always that the church is there to bring forth fruit for God. Toujours que l'Église est là pour l'Église. Parle simplement. Pourquoi? Complication. L'Église est toujours là pour porter du fruit. Ça veut dire que quand Dieu veut parler de l'Église comme une entité de cœur, il doit tirer du profit, du fruit, il figure, il illustre ça en termes d'un champ. L'église est le champ de Dieu. Dieu vient là-bas pour récolter quelque chose. On n'est pas là pour seulement prendre quelque chose de Dieu. On est là pour que Dieu vienne prendre quelque chose. Chaque pasteur doit se demander, et alors qu'est-ce que Dieu a eu de mon église? Sinon, vous n'êtes pas le champ de Dieu. C'est que Dieu a planté. Parce qu'en Isaïe chapitre 5, la Bible dit que Dieu avait planté un vigne. Il revient pour chercher le fruit. Et tout ce que la vigne lui donne, c'est les épines, les douleurs, les problèmes. Dieu a des attentes par rapport à toute église. Et il ne faut pas prendre non plus tous les problèmes. Dis amen. Amen. Ok. So every plant. Donc toute plante. Prefigure the church. Préfigure l'église. As the planting of the Lord. Comme ce que Dieu a planté. God in Matthew 24. Dans Matthieu chapitre 24. The Bible illustrates Israel as the when the fig tree begins to bring out new shoots. La Bible illustre Israël comme étant, en prenant l'exemple de quand le figuier commence à germer, à bourgeonner. La Bible utilise toujours une plante comme une illustration d'un peuple. Israël. Le figuier. C'est Israël, le figuier. Donc le Seigneur est en train de dire, quand la nation d'Israël va revenir de la mort, quand Israël sera reconstitué, la dernière génération pour l'Apocalypse commence. Et ça s'est passé en 1967. Après plusieurs années, Israël est redevenu nation, a commencé à mort. Figuier Israël. Donc, tous les arbres que vous trouvez dans l'Ancien Testament, ça décrit un aspect de la vie de l'Église. C'est pour ça qu'on est en train de parler de l'Église
Dans l'ancien typologie, dans l'ancien testament, l'église typologique, c'est-à-dire illustrée en forme de figure. L'église en forme ombre. Hey. Qui a compris un peu? Ouais, qui n'a pas compris? Tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu parle de l'Église dans l'Ancien Testament. On doit avoir des yeux pour pouvoir comprendre ce qui applique à l'Église dans l'Ancien Testament. Qui a compris? Si je dis ça comme ça, et on reste simplement là, sans entrer maintenant à vous aider à voir l'Église là, qui va comprendre? Non, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. So all the women, donc toutes les femmes, all the marriages, tous les mariages. That's why in Revelations the Bible still uses Jezebel to talk about the bad church in Revelation. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, la Bible continue à parler de Jézabel pour décrire une mauvaise église dans l'Apocalypse. The church, l'église, is prefigured in the Old Testament. Est préfigurée dans l'Ancien Testament. Because Christ is prophesied in the Old Testament. Parce que Christ est prophétisé dans l'Ancien Testament. Wherever Christ is proclaimed, partout où Christ est proclamé, you will find the church there. On va trouver l'église là. The Apostle Paul says, l'apôtre Paul dit, that the church was a mystery hidden. Que l'église était un mystère caché. From the olden times. Dans l'ancien temps. Because there was a question mark. Parce qu'il y avait un point d'interrogation. The Bible says that God created man in his image. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. The Bible says that God created man in his likeness. La Bible dit que Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Then the Bible shows us that God created man, created a male and female. Et la Bible nous montre que Dieu les créa homme et femme. So the question was, donc la question c'était, this image of God that God is talking about, cette image de Dieu dont Dieu parle, he now presents us with two. Il nous présente maintenant deux. Not only Adam, pas seulement Adam, but Eve, mais Eve. Not only an Isha, pas seulement Isha means husband. Pas seulement un époux, un Isha. But also an Ishi. Mais aussi une Ishi, c'est-à-dire une épouse. What is the female side of God? Quel est le côté, quel est ce côté féminin de Dieu? Paul says, Paul dit, it was a mystery hidden. C'est un mystère caché. That has now been revealed. Qui a maintenant été révélé. By Christ. By Christ. That you and I, que toi et moi, we can be included in the redemption. Nous pouvons être inclus dans la rédemption. God was saying, Dieu était en train de dire, that there will be a wife, qu'il y aura une épouse, for God, pour Dieu. Who is that wife? Qui est cette épouse? L'église. It was there from the beginning. C'était là dès le commencement. But nobody saw it. Mais personne l'avait vu. Paul says, Paul dit, that it was to the apostles, que c'était aux apôtres, that God began to
to tear the veil and show them the truth. Que Dieu avait commencé à déchirer le voile et leur montrer la vérité. Okay, I want to stop that part. Je veux arrêter cette partie. I've introduced it. Je l'ai introduite. There are about 150 women. Il y a environ 150 femmes. Every woman in the Old Testament. Chaque femme dans l'Ancien Testament. Is a kind of church. C'est un genre d'église. And even till today. Même jusqu'à nos jours. In Ephesians chapter 6. Dans Ephésiens chapitre 6. The Bible says. La Bible dit. Husband, love your wife. Marie, aimez vos femmes. As Christ loved the church. Comme Christ a aimé l'église. Wives. Épouse. Submit yourself to your husband. Soyez soumise à vos maris. As the church is submissive to Christ in all things. Comme l'église est soumise à Christ en toutes choses. Every Christian marriage. Tout mariage chrétien. The husband must play the role of Christ. Le mari doit jouer le rôle de Christ. And the wife must play the role of the church. Et l'épouse doit jouer le rôle de l'église. If the husband contradicts Christ. Si le mari contredit Christ in his behavior, dans son comportement, he shall be judged. Il sera jugé for having misrepresented Christ. Pour avoir mal représenté Christ. If the wife misrepresents the relationship of the church with Christ, si l'épouse représente mal la relation entre l'église et Christ, she shall be judged. Elle sera jugée. Love is not enough. Love is not enough. L'amour n'est pas, ce n'est pas tout. L'amour, c'est pas suffisant. We have a role to play. Nous avons un rôle à jouer. In your marriage, dans ton mariage, live out your role. Vive, joue ton rôle. It does not depend. It's not an agreement between you and your wife. Ce n'est pas un accord entre toi et ton épouse. You are making a proclamation by your marriage. Tu es en train de faire une proclamation à travers ton mariage. This is how Jesus is. C'est comme ça que Jésus est. That's what the husband is saying. C'est ce que le mari est en train de dire. The wife is saying. Et l'épouse est en train de dire. This is how the church is. Voici comment est l'église. And what because you if you are lying. Et malheur à toi si tu es en train de mentir. By your life. Par ta vie. That's why. C'est pourquoi. We don't ordain those who are polygamous. Nous n'ordonnons pas ceux qui sont des polygames. Because Christ does not have two rights. Parce que Christ n'a pas deux épouses. It is not because the polygamous is not saved. Ce n'est pas parce que le polygame n'est pas sauvé. It is because the polygamy represents a false representation of Christ. C'est parce que le polygame est une fausse représentation de Christ. That's why we cannot ordain. C'est pour cela que nous ne pouvons pas l'ordonner. To be a head. Pour être une tête. To be a head of the church. Pour être une tête de l'église. Because Christ is not like that. Parce que ce n'est pas comme ça que Christ est. Let me take it. Parce que Christ n'est pas comme ça. Qui a un peu compris. So, ainsi, in my marriage, dans mon mariage, I must do everything. Je dois tout faire. To show what Christ is. Pour montrer ce que Christ est. And I must ensure that Adela does everything. Et je dois m'assurer qu'Adela fasse tout. To show what the church is. Pour montrer ce que l'église est. Ce qu'est l'église. That's my duty. Ça c'est ma responsabilité, c'est mon devoir. If I love Adela, si j'aime Adela, and I'm by nature an indulgent man, et je suis de nature un homme indulgent, and I become and I allow her to do anything, et je la laisse faire n'importe quoi, I am Ahab. Je suis Ahab. She is Jezebel. Elle est Jezebel. Ahab had a good marriage.
un bon mariage while destroying the nation. Tout en détruisant la nation. Here his wife Isabelle a tant entre eux. Et de son épouse Isabelle longtemps entre eux. But they were a terrible disease for the church. Mais ils constituaient pour les nations. Les deux constituaient une maladie terrible pour la nation. So, donc si tu as eu des ententes avec ta femme entre nous là, tu fais, je fais comme si je n'ai pas vu. Toi, quand je fais comme si on n'a pas vu. Comme si tu n'as pas vu. Moitié-moitié, on avance. Si tu arranges comme ça avec ta femme, rassure-toi que tu n'es pas chrétien. Parce que ça ne va pas tenir. Ton mariage ne t'appartient pas. Ton mariage, c'est un message. Tu es l'homme à la responsabilité de faire comme Christ plaire à Dieu, pas à sa femme. La femme a la responsabilité, comme l'Église, vivre selon les attentes d'un homme qui craint Dieu. Donc si tu es un Christ qui n'a plus les attentes pour que ta femme soit meilleure, tu es un Akab. On dit Akab. Tu es Akab. Marie Akab. Ok. Francis, viens effacer celui-là. I wanted to introduce this so that when you stay back, je voulais introduire ceci afin que quand vous allez rester, you will teach it. Que vous puissiez l'enseigner. This is what the meaning of the daddies, the daddies doctrine. Ça c'est la lecture de la doctrine de daddy. Donc voici la partie que les daddies ont bien saisi. Voici la partie que les daddies ont bien saisi. Quand tu lis les dadaïstes, ils maîtrisent, voient Christ dans les figures de l'Ancien Testament et voient l'Église dans les figures de l'Ancien Testament. Donc nous qui avons lu les dadaïstes, on a reçu aussi l'enseignement sur Christ dans l'Ancien Testament et sur l'Église dans l'Ancien Testament. Dis Amen. Amen. The Bible presents Christ like a plant. La Bible présente Christ comme une plante. He grew up before the Lord. Il a poussé devant le Seigneur. Like a tender plant. Comme une tendre plante. In John chapter 15. Dans Jean chapitre 15. The Bible presents Jesus as the vine. La Bible présente Jésus comme le cèpe. Those are the botanical illustrations of Christ and the church.
Ça, ce sont des illustrations cutanées de Christ et de l'Église. They are the relational representations of Christ and the church. Ce sont des représentations. Il y a des représentations relationnelles du Christ et de l'Église. By all those marriages. Par tous ces mariages. The church is the building of God. L'Église, c'est l'édifice de Dieu. So every building in the Old Testament. Tout édifice dans l'Ancien Testament of God de Dieu represents the church. Représente l'Église. The tabernacle, le tabernacle. Hebrew says it represents the church. Hébreu dit que cela représente l'Église. The temple, le temple represents the church. Représente l'Église. Tomorrow, demain, when we'll be talking about the house church, quand nous serons en train de parler de l'Église de maison, we shall go to the Old Testament. Nous allons rentrer dans l'Ancien Testament. Why? Pourquoi? The ark of God. L'arche de Dieu. When it came back from the land of the Philistines. Quand elle est revenue du pays des Philistins. It stayed in the house of Abinadab for 20 years. C'est resté dans la maison d'Abinadab pendant 20 ans. When David did not handle the ark very well. Quand David n'avait pas bien géré l'arche. It stayed in the house of Obed-Edom for 3 months. C'est resté dans la maison de Obed-Edom pendant 3 months. Before building the temple. Avant de bâtir le temple. David built a tent for the ark of God in his house. David avait conçu une tente pour l'arche de Dieu dans sa maison. It is called the tabernacle of David. Ça s'appelle le tabernacle de David. House churches. Les églises de maison. When the ark stayed in houses. Quand l'arche est restée dans la maison. Abinadab. Obed-Edom. David. Father, thank you very much, O God. Lord, thank you very much, O God, for this Old Testament model, Lord of the house church. Thank you so much. Lord, the house church has been there. Lord, thank you very much, because there was a time that the ark of the covenant, Lord, was in the house. Lord, thank you very much for this revelation. Glory be to your name, God. Glory be to your name for this example of the church in the Old Testament. In Jesus' name, amen. Amen. Merci, Seigneur, Dieu, que tu te révèles, Seigneur. Oh, de plus beau nom de Dieu, enchaîne. Seigneur, merci pour ces images. Reçois toute ma gloire. Merci parce que nous pouvons te voir dans l'Ancien Testament. Merci parce que nous pouvons aussi te voir dans le Nouveau Testament. Merci parce que de la même manière que nous voyons l'Église dans le Nouveau Testament, nous pouvons aussi te voir dans l'Ancien Testament. Merci, notre Dieu. Reçois toute ma gloire. Merci pour cette révélation. Merci pour cette lumière. Nous l'acceptons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, quand le pasteur est éveillé, je vais résumer. Ça, j'ai fait les autres. Dans l'église typologique, il y a 5 grandes typologies. Les illustrations botaniques, l'église comme ce que Dieu a implanté. Every planting of God. Et à partir de chacun, il y a des implications pour tout pasteur. Donc chaque pasteur est comme quelqu'un qui entretient le champ de Dieu. Il y a des illustrations par rapport aux relations, chaque mariage. Et c'est dangereux. Donc tous les mariages dans la Bible, soit bons, soit mauvais. C'est bon par rapport à comment ça compte. Comment ça confirme ce qu'il y a entre Christ et l'Église. C'est mauvais dans le sens où ça contredit ce qui existe entre Christ et l'Église. Il y a les figures des bâtiments, les bâtiments pour Dieu. Mais en vérité, tous les bâtiments. Quand Dieu a construit un jardin où l'homme va vivre en communion avec lui, Satan est venu gâter. C'est
ce que Dieu a construit. Ça, c'est l'Église. Quand Satan a construit le monde, le tour de Babel, quelque chose pour impressionner et pour donner à l'homme l'indépendance, ce qui est le résumé de ce que ça veut dire le monde, Dieu est parti aussi visiter pour gâter. Chacun gâte le chef d'œuvre de l'autre. Hein? C'est une guerre. Il vient dans ce que Dieu a construit. Donc tu vois, ce que Dieu construit dans la simplicité et qui n'est pas ostentatious. What the world builds is ostentatious. Ce que le monde construit est ostentatoire. Like the Tower of Babel. Comme la tour de Babel. Look at the philosophy behind it. Considérez la philosophie derrière cela. We don't want to keep scattering. Nous voulons pas continuer à nous disperser. It was God's program that man should migrate. C'était le programme de Dieu que l'homme se déplace. So that they may fill the earth. Afin qu'il puisse remplir la terre. The Tower of Babel. La tour de Babel. Was an organized, institutionalized contradiction to the program, the migratory program of God. C'est une constitution organisée. C'est un programme organisé pour s'opposer au programme de migration, au programme de migration de Dieu pour l'homme. It was God who wanted this missionary, even Adam and his descendants were to be missionaries to possess the earth. Même Adam et ses descendants étaient supposés être des missionnaires pour posséder la terre. To carry the resemblance of God all over. Pour porter la ressemblance à Dieu partout. In the Garden of Eden. Dans le jardin d'Eden. The water represented the life of God. L'eau représentait la vie de Dieu. It spread in four different directions. Elle se répandait dans quatre directions différentes. Man was to follow it. L'homme devait le suivre. Into the different regions of the world. Pour se répandre dans différentes régions du monde. To carry the in as ambassadors of God. En tant que des ambassadeurs de Dieu. And that is what Nimrod destroyed. Et c'est ce que Nimrod avait détruit. The Bible says Nimrod was a hunter before God. La Bible dit que Nimrod était un chasseur devant Dieu. That means. Ça veut dire. He knew how to steal people from God. Il savait comment voler les gens de Dieu. By giving them security. En leur offrant la sécurité. An identity. Et l'identité. Et une identité. So he built the Tower of Babel. Donc il a construit la tour de Babel. So that they will not be wandering around. Afin qu'ils ne soient pas en train d'errer partout. He assembled the human potential into a system. Il a rassemblé le potentiel humain en un système. It was so frightening that God came to visit. C'était si effroyable que Dieu a dû descendre pour visiter cela. The institutionalization of life. L'institutionnalisation de la vie. Into a system. En un système. Is the principle called worldliness. C'est un principe. C'est l'eau. C'est le principe qu'on appelle la mondanité. Author. Nimrod. L'auteur. Nimrod. God built. Dieu construit. Satan comes. Satan vient. Satan builds. Satan construit. God comes. Dieu vient. So the constructions. Dans les constructions. Especially the constructions for God. Surtout les constructions pour Dieu. Like the tabernacle. Comme le tabernacle. The temple. Le temple.
are images of the church. Ce sont des images de l'église. The fourth big typology. La quatrième grande typologie. Are the towns and villages. Ce sont les villes et les villages. Shiloh. Bethel. And every city in the Old Testament. Et toutes les métropoles dans la, toutes les villes dans l'Ancien Testament. There is where men dwell. Où les hommes habitent. Either with God. Soit avec Dieu. Or without God. Ou sans Dieu. That is the church. Ça c'est l'église. Pictures of the church. Des images de l'église. Because in Revelation. Parce que dans Apocalypse. The Bible shows us the church without a church. La Bible nous montre l'église sans une église. Sans temple. La Bible nous montre l'église sans temple. Dans cette ville, je vis aucun temple, car l'habitation de Dieu était avec les hommes. C'est comme ça que Dieu veut faire. Dieu n'avait pas l'intention qu'on construise d'abord les temples. Il ne voulait pas qu'on aussi construit quelque part. Et quand on part là-bas, on finit d'élaborer et on part, on rentre vivre notre vie. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Il voulait vivre avec les hommes. Dans le jardin, et même dans le livre de Zacharie, il dit, Jérusalem sera une vie habitée par Dieu. Tous les ustensiles seront saints. On va se servir de tout pour adorer Dieu. Qui a lu ça dans le livre des Achèves? Zacharie. Dans les villes. Et la cinquième typologie, c'est les rassemblements. C'est là où vient le mot église. Église veut dire rassemblement. Dans les grands rassemblements de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, c'est l'église de Dieu, ecclésia. Dans tous les grands rassemblements, le peuple de Dieu, quand ils sont ensemble. Donc Israël, c'est l'église de l'Ancien Testament. Israël est l'église de Dieu le Père, comme l'église est l'Israël de Dieu le Fils. Vous comprenez la juxtaposition, n'est-ce pas? Israël est l'église de Dieu le Père, comme l'église est l'Israël de Dieu le Fils. C'est l'église. Ça, c'est les cinq grandes typologies. Il faut que je dise ça sobrement. Pour que quand vous allez étudier ça, que ça soit ordonné. C'est Amen. Amen. Qui voit qu'on a beaucoup de travail? Beaucoup de boulot. Cette affaire que Dieu a remis entre nos mains n'est pas aussi facile qu'on pense. Parce qu'on doit. Ok, l'église manifeste. Tout le monde, je ne vais pas enseigner ça. Chacun, on va découvrir ça. Chacun va lire le Nouveau Testament, Matthieu, en Apocalypse demain matin, et souligner toutes les villes où se trouve l'Église. Chacun de vous va souligner, commençant beaucoup plus à partir du livre des Actes. Tu n'as pas besoin de lire Matthieu, Marc, Jean et là, il n'y a pas grand chose là-bas. Sauf les principes de base, la fondation de l'Église. Mais l'Église manifeste, c'est-à-dire les églises vraies, qu'on a plantées, commence Jérusalem,
Et tu soulignes toutes les églises, Samarie, comme on venait de parler de Philippe. Vous soulignez Jérusalem, Samarie, Lydda, Sharon, Éphèse. Et ainsi de suite. Vous soulignez jusqu'à Apocalypse avec Laodicée, Hierapolis, Smyrne, Spine, Pergame. Et toutes les églises listées dans le Nouveau Testament, soulignez et vous apportez de même. Hey, écoutez, si vous apportez moins de 100, vous n'avez pas fait le devoir. Parce que c'est plus de 100. Bien. Alléluia. Amen. Alors, c'est juste rassembler les éminences, toutes les églises qu'il y a dans la Bible. C'est facile, tu prends le livre des Actes, partout où Paul est parti, où il a laissé une église, tu soulignes juste les noms. Prends même un carnet, tu relèves tous les noms. Quand j'avais d'abord fait ça, il y a 15 ans, j'avais trouvé 84. Après, j'ai trouvé l'autre. Non, on va couper. Allez faire. Amen. Amen. Hein? Parce que s'il faut étudier l'église manifeste, on a plus de 100 exemples. On a plus de 100 églises listées dans le livre de qui est qui, le livre de répertoire des églises. Il y a plus de 100 listés. Éphèse, vas-y, listé. Donc tout ce que je vous dis là, ça ne va pas vous aider à faire le devoir. Finissez le devoir. Il y a au moins 100. Faites ta liste. J'avais fait pour moi. On peut t'aider. Oui, ok. Maintenant, il faut qu'on liste au moins 40 avant de passer à autre chose. Acclamons pour Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis et je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour cet enseignement. Seigneur, je prie à toi que ces vérités soient gravées en moi, Seigneur, et que chacun de nous, Seigneur, la comprenne, que nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu comme nous l'entendons, comme nous pensons, Seigneur, mais que nous devons faire l'œuvre que tu nous as confiée, selon le modèle que tu as donné, selon l'esprit que tu as communiqué, Seigneur, selon la vision, Seigneur, que tu as communiquée. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous de le comprendre et de nous soumettre à cet enseignement. S'il te plaît, Seigneur, afin que nos œuvres, les tâches que tu as confiées à chacun de nous, Seigneur, sois accompli à la satisfaction de ton cœur. Au nom de Jésus.